Je suis en train de bouffer d'une douleur en plein 23 heures. Et que l'heure est grave, la craint. Ah, c'est qui ça? Toi, tu fais quoi ici dans une douleur ici, maman? Non? Les vacances sont en train de boire. Bouffe d'une douleur à minuit même. Il est 23h59. Ça craint, hein? C'est pour dire, je dis ça, d'où m'y bé. D'accord, je commence à prendre le pli pour les matinales. D'où m'y bé. Quand tu ne sais pas, donc chou. Et je suis fatigué de vous entendre qualifier le raffia de bombe. Elisabeth Bissot, tu as vu le bombe un jour. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a l'eau qui coule? Tu as vu le bon un jour. Attendez, même je laisse la télé de ce côté. Attendez, finis de manger là-bas. Parce que. Bonjour Evelyne. Jacobine, c'est comment? Non, il commence à reprendre le pli des matinales. Il est minuit ici. Attendez, à ma main, on doit. J'ai pris au moins 10 kilos, je suis assise là. Ça sort comme ça sort. Je change de QG. Je me déplace. Ouh, la télé veut se tenir seule. J'avais pas vu. La télé a dit quoi? J'ai bon, ils sont en WhatsApp. Donc, prenons la tiraille, prenons l'interphone, changeons de côté. Non, et pas pour pouvoir aller dormir. En plus, il y a des voyageurs ici qui se sont loupés de. Qui se sont trompés de jour. Non, d'heure plutôt. Ils passaient dans le même vol. Ils viennent de réaliser qu'ils ne sont pas dans le même vol. Donc, c'est branle-bas de combat ici. Moi, je suis la dernière partie. Donc, je suis encore là jusqu'à dimanche. Bonjour, Cristal. Oui, le ndolène était bon, c'est moi qui l'ai cuisiné. Donc, les abissos, c'est vrai que la monétisation est venue nous gâter le bavardage sur Facebook. Donc, quelque chose qui n'est pas problématique, décider de ramasser ça. Et moi, ça me fatigue, je suis vieille. Il y a des choses qui me fatiguent physiquement. Le père, il est là sur le rebord. Il y a encore autre chose à peser. Comment? Il y a autre chose à peser. Oui. J'arrive. Et seule la matière. Oh là là, il y a roulement de tambour. Non, non, c'est deux matières. Ok. Ouh, pas la matière. Non, c'est parce que c'est le tissu. C'est déjà un tissu. C'est pas nécessairement. Là, c'est moi qui ai mis les choses dedans. Dans chacune des valises. Ça va aller très bien. Tu as de faire un violent coquille. Que tu vas te dire, oh, coucou Damchel. J'ai dit seulement, c'est parce que tout est décalé là. Nous devons voyager à 9h demain, donc je n'aurai pas. Mais même avant de me coucher, Elisabeth Bissot, je vais passer ton directeur là. Pour commencer, tu ne connais pas le baume. Tu revendiques des choses que tu ne connais pas. Tu n'as jamais vu de bombe. Je vous ai déjà dit que c'est du raffia que vous voyez là. Le bombe n'est pas tissé. Est-ce que vous comprenez? Le bombe, c'est l'écorce d'arbre.
qu'on tape comme ça. Coucou ma vie. On tape. Ce n'est pas un tissu tissé. Ce n'est pas un tissu. Ce sont pas des fibres tissées. D'accord. De raffia est tissé. Chaîne, trame. Le fil comme ça et ensuite on passe. On tisse la trame. Donc maintenant, pour commencer, ce n'est pas de logo. Ce n'est pas le ndop. Ils n'ont pas de bagages en main. Mais il y a des sacs, des torty bags là. Il y a un yanga sac. Hein. Ils sont obligés de traîner les mains. Moi, quand ils peuvent me passer d'un bagage à main, je m'en passe. Je disais donc, Élise Bissot, l'école est bien. Quand on vous dit souvent que l'école est bien, c'est pas quand on vous demande d'aller faire bac plus 5 ans. C'est qu'il faut apprendre. Quand tu es doux, mieux tu te tais. Ce n'est ni de l'obom, ni d'une dope. Je suis en train de teindre une dope ici. On me l'a envoyé attaché. Ce que tu vois là, ce n'est pas une dope. Ce n'est même pas l'imitation. Ça n'y ressemble même pas. Donc, ce n'est ni l'obom, ni d'une dope. Et tu as créé une histoire autour. Jusqu'à dire au créateur qu'ils n'ont pas mélangé. On te demande ton avis. Tu as le droit de bavardage. Mais en ce qui concerne ma créativité, si je veux même mélanger tout le tissu Maasai, je prends celui des Bushmen, je prends celui des Bamleke, je prends même le Bomla et mets dessus. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Comme votre folie là n'a pas de limite. Ou toi, tu mets seulement ton kio là par le derrière, tu prends ça par le derrière, je ne sais pas. Parce que le genre où tu saoules ça là, on peut faire ça. On peut faire des problèmes autour des choses qui n'existent pas. Je te redis, j'ai même dû enregistrer cette photo. Le boom n'est pas facile à travailler. Le raffia déjà n'est pas facile à travailler. Le boom encore moins, c'est un truc raide. Sauf à faire un corset, des trucs à même la peau, ça n'a, ce n'est pas vendable. D'accord. Je n'ai jamais vu un seul de mes ancêtres en photo avec le beau. Mon père est chef du village. Il a sa part de machin de hommes. Le bon pour commencer, l'arbre là est protégé. Est-ce que vous savez ça? L'arbre, cet arbre est protégé. Vous n'êtes pas les seuls dans la forêt là à avoir travaillé le bon. Les Ivoiriens, il y a un peuple en Côte d'Ivoire qui travaille le bon. Et c'est interdit, c'est un arbre protégé. Bonjour, Père Emmanuel. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête là. Tu parles la vraie. Nous avons des sociopathes comme ça dans la nature. Hein, Élise? Sois fort à court. Tu parles là. Pour toi, c'est la camisole de force. Donc, j'ai dû enregistrer ça. J'en ai marre de répéter les mêmes choses. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Moi, je parle en connaissance de cause. J'ai même appris à dessiner le tissu. Tout un coup. Technologie textile. Technologie textile. Je sais même comment on fait. Si ton œil n'arrive pas cher, quelle odeur, à quelle matière. Que tu brûles comme ça, rien qu'à l'odeur, je te dis que c'est telle matière. Donc, Élise Bissot. Ceci n'est pas de l'obom. Et ce n'est pas une dope. Ne viens pas nous créer une histoire autour de quelque chose qui n'existe pas. Et je te redis que moi, je vais mélanger les deux et rien ne va se passer. D'accord? Je vais mélanger le ndop et le bom. Rien ne va se passer. Il ne te restera plus, il ne restera plus qu'à ceux qui veulent s'énerver. Il ne leur restera plus que sauter, caler en l'air. Ceci-là. Moi, j'agrandis bien. Ce n'est pas le bom. D'accord. Regardez bien, c'est pas le bon. Ça, c'est du raffia. Et si vous voulez douter, regardez là. Vous voyez au bout là. C'est typique. C'est la fin du tissage ou le début. Ou la comment on appelle. C'est la fin du tissage. Vous voyez, on fixe les fils. On tend les fils comme ça. Les fils comme ça. Et ensuite, on passe la trame.
C'est l'extérieur là. Qui se filoche comme ça. Il faut comme le coucher en même vieille. Ça, ce n'est pas de l'obome. D'accord? Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais comme tu veux seulement de créer des problèmes où il n'y en a pas. Et ça, ce n'est pas d'une dope. Je travaille d'une dope. Ah, ce n'est pas d'une dope. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu bavardes. Je ne sais pas pourquoi tu casses les oreilles aux gens. Quand bien même, ce serait d'une dope et de l'obome. La personne qui a décidé de faire ça, tu as dû faire quoi? Oh, les écrans ont trois tissus. Vous avez quels trois tissus? Et quand même d'abord, vous avez même inventé ça, dans quel but? L'histoire nous dit, femme, Betty, boulot. Et quand sort d'eau? Et quand sort d'eau? Tu, toi, et cancre, tu ne sais pas reconnaître le baume que tu revendiques être ton pays, ton tissu traditionnel. Comme un bambiné qui ne saurait pas reconnaître le ndop. Celle de la veuve joyeuse là-bas dit qu'elle porte sa part de ndop. Elise, veuve joyeuse, ce n'est pas le ndop. Le tissu, et encore, ce n'est même pas le tissu sikam. C'est la version chinoise du tissu sikam qui a repris les motifs du ndop. Il va défaire ça. Demain, il va faire une vidéo. J'éteins le ndop ici. Envoyé. Attaché. J'éteins ça à l'indigo ici. C'est encore dans la bassine là-bas. C'est encore dans la bassine. Oh, j'ai été parmi les premiers, machin. Oh, j'ai été parmi les premiers à porter le ndop. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Mais c'est bien de valoriser les choses de l'humanité, non? Le mari de Noara t'avait pas dit. Achia, elle. C'est pour ça qu'elle parle là comme ça. Ça là, la veuve joyeuse. Mais alors là, si qu'elle me fait mieux, hein, pour avoir travaillé tous ces tissus-là, et le made in China, au made in Sikam, et le ndop original, ça là, c'est le made in China. Tu dis que voilà, tu n'as pas de ndop. Ça, ce n'est pas du ndop. Ça, ce n'est pas du ndop. C'est un tissu imprimé. Le ndop est teint. Une teinture à la réserve. Toi, là, c'est imprimé. Donc, tu prends le tissu blanc, là. Tu condamnes ou tu veux que ça reste blanc ou la couleur originale du tissu. Le reste, tu trempes. D'accord. Ça, là, c'est imprimé. C'est un rouleau qui passe. Mais ce n'est même pas du wax, le truc, là. Il est fancy. Vous voulez que vous donnez cours. Demandez. On quitte dessus. Le mari de Noirata s'est mis avec une fille de l'Ouest. Achia, elle. Il y a vraiment le karma. C'est vrai, ça. Aussi vrai que mes 50 ans, je les vis là. Ça, là, ce n'est pas d'une dope. D'accord. Donc, cessez de nous casser les oreilles autour des choses qui ne vous intéressent pas. Que vous utilisez seulement pour brailler, pour énerver les autres. Nous qui travaillons le ndop là, on ne vient pas ici faire du bruit. D'accord. Le kabandop comme ça, tu sais combien ça va te coûter? Rien que la tunique là, on vend ça une centaine d'euros minimum. Hein. Minimum la tunique là. Jeter les sacs. Jeter, ok. Elle ne prend plus le kéré. Oui, mais son frère lui a déjà fait un raté. Ah, aussi. Le pater aussi. Mm-hmm. Mais le pater, lui, il n'est pas dans les sacs. Il ne prend pas. Il a dit, là, il a mis le veto. Non, oui, pour lui, il a oui, 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 d'accord. Mais ce qu'il dit, c'est que ça. Ce n'est pas le problème. C'est oui, c'est pas, léger. C'est souvent, il ne faut pas bien agencer dans le sac parce que elle dit que c'est plein, mais c'est pas ça, c'est pas bien. Oui, oui. Voilà. Mais c'est cool, les bagages sont prêts. Voilà, donc comme ça, elle a dit ça même. Ça peut rester chez Paris. Parce qu'ils vont quand même les régler. Ah oui, oui, à notre pays, voilà. Imagine. Donc, ça, là, c'est les choses qu'elle peut récupérer au retour. Ok, il n'y a pas de choses. Ah bah oui. Elle peut partir où ça part. Elle peut partir où ça part. Voilà. Ah cool. Il n'y a pas de quoi stresser. Exactement. Non, parce que si tu laisses seulement la matière et puis il y a tellement de choses, elle veut essayer, ça, elle n'a pas décidé ce qu'elle veut, machin, tout ça. Elle va passer toute la nuit là. Il faut aussi dormir, sinon la fatigue. Exactement.
Ok. Parce que moi, là, parce que plus nous sommes en mode brise, moins elle va vouloir aller. Elle est encore ratiboisée. Il faut lui chercher une spéciale qu'on a là. Elle a déjà ratiboisé. C'est la période, maman. Yeah. Oui, c'est ça la part. Mais au moins, elle n'a pas ratiboisé, elle s'est m'a coupé. Elle voulait couper encore. Elle a trouvé des ciseaux. Ils vont finir boule à zéro. Tous. Wow. J'ai hâte de monter ça là-haut. Je peux te dire. Ok. Toi-même, quand tu as acheté le volume, c'est toi, tu comptais sur quoi pour lui acheter toute une ville? Ouais, c'est sympa. Hein. En fait, si le garage n'était pas chaud comme ça, j'allais essayer de trouver la place là-bas. Mmh. Mais si je mets ça dans le garage, ça veut dire que moi, si je dois m'asseoir dans le garage, mais c'est clair. Mmh. Donc, j'ai dit que mieux ça reste. Mais ça reste. Oui. C'était mon débat. Non, c'est beau, c'est joli. Demain, on va dégonfler cette histoire là aussi. Ah, mais j'ai même failli aujourd'hui. J'avais marre de voir ça là. C'est pour ça qu'elle dit que vraiment, nous on peut rester, je ne sais pas. Non, je vais le poser. Les enfants disent quoi? Ils disent qu'ils veulent venir. Ok. Je vais leur poser la question. Mais comme je dis, pour l'espace, ce n'est pas ça qui manque, c'est la valise, ce n'est pas les gens. Ok. Bon, écoute, on verra ça demain. Oui, on verra demain. En gros, moi-même, je m'avais posé mes os parce que quand les gens vont commencer à bouger aussi demain, moi-même, je vais devoir bouger. Est-ce que j'aurai le choix? Mm-hmm. Demain, c'est. À 7 heures, qu'ils ont quoi à préparer, non? Ah. En 30 minutes, nous on est prêts. Nous on est pliés. Tu connais notre truc. Man. Aïe. Hein? Dès qu'ils sont debout, c'est bon. C'est bon, même si on veut un peu tenir la maison, on sort de l'île, on se dit, peut-être avant le moment. Bon, il est minuit 16. Tu as le salon, le tarot, on se lève, on continue. M'avais-moi aussi dormi, maman. Oh, moi, je vais coucher. Ouais, je sens le pâté à ma tête qui cause encore là-bas. Bon, je disais. Enéo, je dis que Noirata, Maïmazo, aussi vrai qu'il fait noir là. Moi, on ne voit que le blanc de l'œil. Hmm? Demain là, je traite ton direct, même en fin de journée ici. Eh oui. Parce que les histoires que où on t'a envoyé, où tu es possédé, ou je ne sais pas. Hmm? Allez. Bisous là-bas. Je m'en vais dormir. Parce que si la minuit. Pardon, qu'elle ne vienne pas tomber dans l'escalier, ce serait un peu ballon en fin de vacances. Je ne l'ai pas dit. J'ai raté la dernière marche.